Plus de 15 ans après le tournage de Mon incroyable fiancé, Adeline, la première candidate de l'émission, a disparu du petit écran. Laurent Ournac, avec qui elle partageait l'affiche, est quant à lui devenu l'une des stars de TF1. Alors, sont-ils toujours en contact? C'est une des questions qu'on a eu envie de se poser. C'était en effet, il y a maintenant déjà quelques années, le public découvrait sur ses écrans de télévision la nouvelle émission de télé-réalité de TF1. Mon incroyable fiancé à l'affiche, Adeline Toffoli et Laurent Ournac pour le jeu et 100 000 euros à la clé, la jeune femme doit faire accepter à sa famille son mariage imminent avec cet improbable prétendant. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Laurent Ournac et ses proches ne sont autres que des comédiens prêts à tout pour lui mener la vie dure. Pendant 8 épisodes, le duo a fait rire le public et crever l'écran chaque vendredi soir, désormais loin des médias pour l'une et star de Camping Paradis sur TF1 pour l'autre, Adeline Toffoli et Laurent Ournac ne sont malheureusement plus en contact depuis de nombreuses années et apparemment cela ne s'est pas très bien terminé entre les deux. Il y a maintenant quelques mois, la jeune femme se confie à Télé Loisirs à propos de son ancien partenaire. Dès la fin de l'émission, il est devenu de plus en plus distant. Il développait déjà en fait le projet de série de Camping Paradis, il voulait lancer sa carrière solo et ne plus être trop associé à moi ou à l'émission. Mais j'estime qu'il ne l'a pas fait tout seul cette émission, j'étais là aussi, avait alors déploré Adeline avant d'ajouter « Je pensais qu'on était un duo finalement, c'était chacun pour soi, chacun pour sa pomme ». Autant d'années après, j'ai l'impression qu'il m'en veut de quelque chose, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de le joindre sur son portable, sur Facebook, il ne m'a jamais répondu, avait-elle le poursuivi. De son côté, l'ex-présentateur de Danse avec les Stars, désormais marié et papa de deux enfants, s'était exprimé dans les colonnes de Téléstar avec le même sentiment. On s'est perdu de vue et on s'est même quitté un peu en froid. Moi, j'ai eu de la chance d'être soutenu par TF1 quand le programme s'est arrêté. Laurent Ournac ne serait-il pas l'homme toujours de bonne humeur et bon enfant, comme il aimerait bien le laisser paraître? C'est une éventualité et on le sait malheureusement, on arrive rarement en haut de l'affiche sans devoir écarter quelques obstacles.